président de ville, déjà pour faire un étalon, je pense qu'il y a plusieurs paramètres. T'as le paramètre du pédigré déjà, donc je pense qu'il l'a. C'est un Galiléo, avec une mère Rainbow Quest, c'est un cousin de Martaline, Bitello, Doha Dream, enfin j'en passe. Il a le modèle, donc il fait 1m68. Il reproduit un peu comme lui, assez grand, grand avec de l'os. Et il n'y a pas de petits chevaux, il n'y a pas d'alezan non plus. Je pense qu'il faut lui mettre des gens qui ont un peu de caractère par contre, parce que lui il est quand même somme toute assez gentil et il a tendance à reproduire un peu ça. Après l'autre paramètre, bah, c'est la VAT, hein, c'est le poteau. Et le poteau, là, depuis le début de l'année, en fait, on est à 100%. Je dis bien 100% parce qu'on a 3 partants, 3 gagnants, 4 partants même et une seconde place. King Flo qui avait bougé après une course au Lyon d'Angers, qui s'était classé deuxième je crois ce jour-là. Donc lui, il a été arrêté 1 an et demi, il a fait une course de rentrée, il gagne facile à Saint-Brieuc. On va le revoir d'ici peu. Après, c'était Artaban Slate qui débutait chez Monsieur Châtelier. Un cheval qui n'était pas forcément précoce, mais bon, qui leur a mis 30 longueurs pour finir. Et puis après, Kite to Wit, c'est une jument de notre élevage, une AQPS. La mère avait gagné à Nantes en haie et elle fait que progresser. Elle était seconde la dernière fois à Saumur. Elle courait super bien et là, la dernière fois, elle a gagné assez facilement parce que ça a roulé quand même et elle n'a pas lâché de morceau. Les produits sont assez faciles à entraîner, d'après les entraîneurs. Pour toutes ces qualités-là et puis bah, son prix, il est, je pense, un prix accessible quand même, vu la qualité du cheval, 3 000 € hors taxe, poulain vivant, avec possibilité d'avoir un petit prix et pour plusieurs juments.